Amélie Pétronille. Chapitre 11. Le désert devait rester une zone d'ombre dans la vie de Pétronille. Quand j'essayais de l'en faire parler, elle l'esquivait. Un jour, je la provoquais. Tu n'es jamais allé dans le Sahara. Pendant treize mois, tu t'es caché à Palavas-les-Flots. Si c'était le cas, je te bassinerais de récits sur le désert. Un soir, comme nous entamions une deuxième bouteille d'un excellent dôme ruinard, blanc de blanc, elle me confia avoir désormais un très mauvais sommeil. C'est depuis mon retour, dit-elle. Je ne supporte plus ce tintamarre urbain. Ton quartier n'est pas si bruyant Si, comparé au Sahara. Tu n'as pas idée du silence de là-bas. Dans le désert, ce que je préférais, c'était les nuits. J'installais ma tente le plus loin possible des Touaregs. On ne sait pas ce que c'est le silence si on n'a pas écouté celui-là. Ce n'est pas angoissant. Au contraire, il n'y a pas plus apaisant. Je dormais comme un ange. Parfois je me réveillais pour un besoin. Le sable était si blanc, si lumineux, que j'avais l'impression de marcher dans de la neige. Au-dessus de moi, je voyais un ciel pas croyable, des étoiles en surnombre, plus grandes et plus brillantes, comme les constellations d'il y a cent mille ans. J'en aurais pleuré de bonheur. Pas de serpent Je n'en ai pas aperçu. Au matin, je rejoignais la caravane. Les hommes cuisaient le pain dans le sable. C'était parfait. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue ici. Pour boire du champagne avec moi Sacré métier Eh oui, il faut tenir Même si elle n'en parla pas, elle dut se réjouir de la parution de Je ne sens pas ma force. Ce roman fit l'admiration des Apifio. Au nombre de ceux-ci, il y avait mon père. Nietzsche est ressuscité, me dit il. Qui est l'auteur? Après réflexion, je décidai que Patrick Noton, qui avait bavardé avec des rebelles armés jusqu'aux dents et bu du thé en compagnie de Mao, était de taille à rencontrer Pétronille. Mes parents nous reçurent à déjeuner, à Bruxelles. Ma mère, qui est incapable de ne pas déformer un titre, félicita l'invité pour Que la force soit avec vous. Maman, tu l'as lu? lui demandai je Sotovos. Oui, je n'ai pas compris de quoi ça parlait, mais c'était très beau. Pendant ce temps, mon père, avec un embarras plein de dignité, expliquait à Petroni en quoi son livre était un chef-d'œuvre. Je m'aperçus qu'elle était impressionnée. C'était un visage que je ne lui avais jamais vu. À table, ma mère l'interrogea sur son parcours. J'ai grandi en banlieue parisienne, dit-elle. Mes parents, qui ne connaissaient de la France que les informations télévisées, la considérèrent avec effroi. Petroni dut sentir qu'il la prenait pour une gosse des cités et ne fit rien pour dissiper le malentendu. J'entrai dans son jeu. Tu as souvent brûlé des voitures Jamais après l'âge des treize ans. Tu étais passé à autre chose Ouais, ma bande s'est mise au crack. J'ai pris mes distances et j'ai commencé à lire Shakespeare. L'admiration de mes parents pour l'écrivain atteignit des cimes. Dans le train du retour, j'éclatai de rire. C'était quoi cette comédie tu ne te rends pas compte ton père m'en a tellement imposé je voulais être à la hauteur tu l'as été mais la stricte réalité te rend encore plus estimable si tu veux mon avis ta mère est un peu spéciale non ne t'inquiète pas elle dit que mon titre le plus connu écrit et chuchotement j'étais convaincu que son livre suivant traiterait du désert je me trompais début 2019, parut aimer le ventre vide il y était question d'un coureur de dot au début du XXe siècle dans le sud des États-Unis. Ce roman d'aventure connut un vrai succès. Lors d'une émission littéraire, Petroni attira l'attention de Jacques Chessex. Le grand écrivain suisse fut intrigué par ce bâton de dynamite humaine et lui envoya l'une de ses lettres stupéfiantes dont il avait le secret. Cher Petroni Fanto, votre roman confirme ce que j'ai vu. Vous êtes un enfant et vous êtes un ogre. Vous faites désormais partie de mes fous. Jacques Chessex. La justesse du propos me frappa. Que ce spécialiste des ogres les qualifiait de tels avait valeur d'avertissement. Quand je passe du temps avec toi, je me sens dévoré. Il a raison, dis je. Ça n'a pas l'air de te déplaire. Et pourquoi dit il que je suis un enfant? Demande lui. Le sujet était délicat. On n'avait pas le droit de lui dire qu'à trente quatre ans, elle en paraissait dix huit. Je ne sais pas si elle posa la question à Chessex. Mais leur correspondance s'intensifia. Quand l'écrivain suisse mourut, à l'automne de cette année-là, Petroni y porta son deuil avec la rigueur d'une fille pour son père. Comme je lui voyais le visage tuméfié, mais d'un seul côté, je ne pus croire qu'elle avait trop pleuré. « Tu fais de la chirurgie esthétique C'est ça le secret de ton éternelle jeunesse ?»« Non. »« Qu'est-ce que tu as Rassure-moi. »« Rassure J'essaie des médicaments pour des laboratoires pharmaceutiques. Vraiment »« Vraiment Pourquoi ?»« Pour gagner de l'argent. » C'est légal? Pas des masses. Tu es folle, Petro. Ce n'est pas avec mes droits d'auteur que je paye les factures, figure-toi. Tu t'es regardé dans un miroir, là? On dirait la moitié d'un frère Bogdanov. Ça passera. Tu es sûr? Oui, c'est du brombo ramaz. Ça soigne la gastro. Moi, j'aurai ta gueule, j'attraperai une gastro illico. Tu es une chochotte. Encore heureux que tu ne m'aies pas vue la semaine dernière. Après la gaz Galgine 30H. C'est un médicament qui facilite la circulation artérielle. Et alors Et alors Je ne pouvais plus ouvrir les yeux, tellement le contour en était boursouflé. Je n'exagère pas, pendant deux jours, j'ai été techniquement aveugle. J'espère que le laboratoire t'a payé les heures supplémentaires Tant que c'est seulement le corps, ça va. Je ne comprends pas. Quand les effets secondaires s'en prennent au cerveau, tu rigoles moins. Il y a un mois, j'ai testé un truc contre la dépression post-partum. J'ai compris après coup pourquoi c'était efficace. J'y ai perdu 100% de ma mémoire récente. Tu imagines la mère qui vient d'accoucher, elle ne sait même plus qu'elle a été enceinte. Quand elle voit son bébé, elle se demande qui c'est. Et pour toi, comment ça s'est passé Je ne me souvenais de rien depuis mon retour du désert. L'amnésie a duré plusieurs jours. Pétronille, je t'en supplie, arrête ce métier maléfique. Et comment je mange je peux te donner de l'argent. Ça va pas, non, je suis une femme libre. En temps normal, cette déclaration aurait provoqué mon hilarité. Là, elle me serra le cœur. Pouvait-on laisser cette gamine folle s'occuper d'elle-même Tu n'as jamais peur d'en garder les séquelles demandai-je. Je suis quelqu'un de très courageux. Jusqu'à l'inconscience, oui. Et puis, je m'amuse. Il y a un côté apprenti sorcier. On ne sait jamais ce qui va se produire. Tu n'as pas besoin de jouer à ça. Aimer le ventre vide se vend bien. On ne touche les droits d'auteur que l'année suivante, comme tu sais. Demande une avance, ton éditeur te l'accordera. J'ai ma dignité. Tu la places mal. Fiche moi la paix, Loiseau. Tu es qui pour me dicter ma conduite? Tu dépenses tous tes droits d'auteur en champagne. Vu comme tu m'aides à le boire, tu n'as pas à t'en plaindre. D'ailleurs, est ce que tes médicaments sont compatibles avec l'alcool? Laisse moi tranquille. Désormais, je vécus dans l'angoisse. Je me mis à appeler Pétronille tous les jours. Avec les gens que j'aime, j'ai un côté mère-poule contre lequel je ne peux rien. En l'occurrence, je ne pense pas avoir eu tort. Très vite, elle ne décrocha plus quand elle voyait s'afficher mon numéro. Cela ne contribua pas à me rassurer. En novembre, à la foire du livre de Brive, il me sembla que Petroni était bizarre. Je lui dis Tu as vu comment tu me regardes C'est ton regard qui me rend bizarre, répondit-elle. Pas sûr. En quoi consiste ma bizarrerie tu rigoles tout le temps, tu manges sans arrêt. Oui, ça s'appelle la foire du livre de Brive-la-Gaillarde. Elle avait peut-être raison, mais le mois suivant, ce fut elle qui me téléphona vers minuit. Qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas toi Il n'y a pas de frontière entre les êtres. Amélie, j'ai la sensation physique du champagne que tu as bu ce soir. Le médicament que tu testes en ce moment, c'est du LSD Je regarde Paris par la fenêtre. Tu sais que la tour Eiffel est faite les creuses. C'est une rampe de lancement pour les fusées. Tu confonds avec Kourou en Guyane. Ça, c'est pour la navette spatiale. La tour Eiffel, c'est pour les fusées privées. Avec une vitesse de satellisation de onze km par seconde, on quitte rapidement l'atmosphère. Tu m'appelles à l'aide? Non, je voulais t'avertir que je pars avec toi. Je ne peux pas te laisser seul dans l'espace. J'ai vu comment tu découpes les citrons. Mais par pitié, enlève ce pyjama orange. Cette couleur me donne envie de vomir. J'arrive. Rien ne peut exprimer mon anxiété lors du trajet jusqu'à son appartement. Je montai les escaliers quatre à quatre et trouvai Petronille en train de faire frire du poisson. Tu en veux me demanda-t-elle le plus naturellement du monde. Elle le transvasa de la poêle dans l'assiette et attaqua. Tu manges du poisson à une heure du matin Oui, ne tire pas cette tête, c'est légal. L'odeur ne m'en convainquit pas. Pendant qu'elle s'empiffrait, je regardais la cuisine. Il y régnait un désordre à peine concevable. C'était l'antre d'un garçon célibataire. Tu n'as pas envie de te mettre en couple? Ça va pas, non? répondit elle indignée, la bouche pleine. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans ma question? Tu sais bien que je ne supporte personne. Et que personne ne te supporte? Ce n'est pas mon problème. Je suis enchantée de ma liberté. J'avisai une plaquette de pilules et m'en emparai. Extra bromélanase. C'est ça qui te rend si libre que tu m'appelles à minuit? Fallait pas décrocher si ça t'embêtait. Mais je me fais un sang d'encre pour toi. Quand ton numéro s'affiche, je prends. Et vu ce que tu me racontes, il y a de quoi paniquer. Qu'est-ce que c'est censé soigner, ce truc Ça stabilise les schizophrènes. Petroni, je t'interdis d'avaler encore la moindre pilule. Tu vas écrire tout de suite un rapport sur ce médicament en précisant ses effets gravissimes. N'exagérant rien, qu'est-ce qu'il te faut je suis jeune, j'ai le goût du risque, et j'adore le côté roulette russe de ce métier qui, par ailleurs, rapporte bien. Voilà. Tu pourrais mourir, tu sais? Je sais, c'est pour ça que j'ai parlé de roulette russe. Et moi, tu as pensé à moi? Tu peux vivre sans moi. Oui, mais moins bien. Que tu es égoïste. Et puis tu peux aussi ne pas mourir et garder des séquelles terribles. Qu'est ce que tu proposes? Trouve un autre gagne pain. J'ai essayé. J'ai été serveuse, pionne, répétitrice d'anglais c'était assommant et ça ne me laissait pas le temps d'écrire sais-tu que tu es l'une des rarissimes privilégiées à pouvoir vivre de ta plume un pour cent des écrivains publiés y parviennent un pour cent c'est le plus beau métier du monde on ne peut pas espérer qu'il soit facile il a l'air facile quand on te regarde j'ai toujours rêvé d'être écrivain mais c'est de t'avoir vu qui m'a persuadée d'essayer pour de vrai on se dit que si toi tu y arrives on peut y arriver et on a raison on se trompe ce n'est pas une question de talent, je t'ai observé, je ne dis pas que tu n'as pas de talent, je dis, pour t'avoir examiné longtemps, que ça ne suffit pas. Le secret, c'est ta folie. Tu es mille fois plus folle que moi, avec ou sans tes médicaments. C'est ta folie, j'ai dit, ta manière d'être folle. Des gens fous, il y en a partout. Des fous comme toi, ça n'existe pas. Personne ne sait en quoi consiste ta folie, pas même toi. C'est exact. Et c'est là que réside l'arnaque. On devient écrivain à cause de toi. Sans se rendre compte que personne ne dispose de ton combustible. Et alors, tu regrettes Tu as écrit des romans formidables. Je ne regrette rien, mais laisse-moi esquinter ma santé, puisque c'est le prix à payer. En ce cas, ne me prends pas à témoin. Ne m'appelle pas à minuit pour me dire que la tour Eiffel sert de rampe de lancement aux fusées privées. J'ai fait ça, moi. Pourquoi crois-tu que je suis là Nous avons un problème, Pétronille. Te laisser comme ça, c'est de la non-assistance à personne en danger. Viens habiter chez moi. Habiter chez toi? L'enfer sur terre? Je te remercie. Je promets de ne plus te téléphoner à minuit. Tu peux partir maintenant.